Les occasions sont là. Il s'agit de confirmer. Maintenant, 13e minute. Lasseter envoie vers le point de pénalty. De la tête et c'est 1-0. Et bien, le voici Alvarez. Il s'était annoncé il y a de ça quelques temps, mais Alvarez, à son premier départ cette saison, fait 1-0. Montréal est logiquement devant. Ah, il s'est manqué sur la première, mais pas sur la deuxième. Le Colombien de 20 ans, seulement sa troisième titularisation en MLS et sa première en 2024, qui vient marquer un but qui fait du bien à tout le monde, et en particulier à Matias Coccaro. Parce que là, on peut tourner la page. Lui-même, en tant qu'attaquant égoïste, il va y penser encore, en se disant « je dois faire mieux » et en espérant que ça n'affecte pas sa confiance. Mais collectivement, et c'est ce qui est le plus important, Montréal concrétise sa domination, prend les devants très logiquement, effectivement, et en plus sur coup de pied arrêté, qui est forcément une phase qui est travaillée par toutes les équipes et qui se doit de rapporter dans une saison. C'est le cas ici, et Miami va devoir se poser des bonnes questions sur ces phases arrêtées. Parce que ça commence à faire